Bonjour YouTube, bienvenue sur Immersive TV, j'espère que vous allez bien, ici Mutsu. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur Arc Iso Crystal Isles. Aujourd'hui, nous allons partir à la chasse aux ours, mais attention, ce ne sera pas n'importe quelle chasse avec n'importe quel ours. On va essayer une technique que je n'ai jamais essayée auparavant. Allez, c'est parti. Bonjour. Allez, c'est parti donc, recherche d'ours. On veut du gros nounours, hein. On veut pas du petit nounours. Non, non. On veut du bon gros nounourson. Oh lolo. Vous êtes sûr qu'on va... Oh lolo lolo lolo. Je vais tout cramer là-dedans avec mon supersonic. Oh lolo. Ah si, c'est un peu Armageddon. Tu es à fond. Ah, par contre, t'as fait pas trop les giants travailleuses là parce que. Oh. Avec mon truc, je vois l'aspiration. 145, des hein. Trucs, ça fait 145 bizarre. Juste à la sortie, les gars. Alors, c'est quoi sans répartition de stats? C'est un mâle. Hein? Non, non. C'est pas possible. Attends, il est où? Lol, il est. Ah non. Pourquoi c'est Tom? C'est qui Tom? C'est moi, Tom. Comment ça? Il a 58 PV 58 level en dégâts. Mais cool, t'as mis. Mais les gars, il y a un ours 262. Ah non, pas ici. Il y en a, mais pas ici. 14 DPS. Ah oui, 145. Attends, mais c'est une blague, 14 en dégâts ou comment ça marche? Attends, il y a un problème, non? Eh ben, il a pris 31 en speed. Bon, il a 25 en PV, mais je suis pas convaincu. Ouais, hein. Moi non plus. Ouais, d'accord. Il y a 135 derrière. Ah, mais il est pas ouf. Ah, tu l'as vu aussi? Ouais. Si tu tires, ça fait quoi? Si tu tires, vas-y, essaye. Moi, je suis prêt à partir au cas où. Ouais, si vous voulez, on peut tout cartonner là, si vous voulez. Hein. Vas-y. Ah, mais ça dismount ça, non? Oui. Mais attends, là, on est sur. Sur Sticouille. Vas-y, je fais tout cramer. Vous pouvez les amener. Sticky, t'arrives à venir vers moi? Ouais. Tiens, je t'en ramène ce. Il a été pris dans une toile, mais c'est pas de la toile, c'est du miel. Vas-y, brûle, Babylone! Ben voilà. Ok. Qui c'est qui veut du polymère et, et du miel? Si t'arrives à garder le poly, c'est cool. Et sinon, niveau ours, du coup, ouais, franchement, le 145 avec ses 14 pov level en dégâts... Il fait pitié. On est d'accord. Après, généralement, les ours, ça a jamais trop des stats fumées quand même, non plus. Oups. Et donc, le miel, c'est sur ces espèces de protubérances qui dépassent, là. Ouais, les petites, là, tu t'arrêtes, tu mets un coup de tronçonneuse là-dedans, et t'es le roi du coup. Par contre, ouais, soit tu le fais en 2-2 et ensuite tu téléportes, soit tu fais le ménage avant, hein, parce que les abeilles elles rigolent pas, hein. Oui, parce qu'il y a tout qui sort et qui te saute dessus, du coup. Activement, ça peut être dangereux. Ouais. Ok. Bon. Bah, go check. Mais c'est vrai que si on peut avoir déjà pré-tam un bon niveau, c'est mieux, je pense, quand même. On s'évite pas mal de mésaventures. Canyon. C'est clair que t'as mis un ours 145 avec 12 en, ou 14 en dégâts. Ça aide pas. C'est vraiment dégueulasse. Mini l'ourson level, donc comme je te disais, pardon, 150. Ouais. Il est à 17 en dégâts. Mais. Mais. Il a 8 en bouffe. Mais. Ouais. Il est à 27 en stam. Mais. Il est à 37 en PV. Ouais, mais il a 17 en... Ah mais bon, 37 en PV. Là, tu tames, tu cherches pas à comprendre. Ah bah là, je tame pas, je suis bugué. 37 level en PV, s'il vous plaît. Bon, je le fais. Ah bah, je veux mon neveu. Alors, je vais poser la case. Je vais me taper sur toi, t'es pas en l'air? Non, je viens de me poser. Je vais poser la cage ici. Ah. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais le buter, genre « Ah bah je le bute !» T'es sûr que tu veux le tamer?
C'est ouf toi. Voilà, les trucs des machawash, j'en vois pas dans ma forêt. Hein. Ah non, hein, ne me parle pas de... C'est mort. Ah non, pardon, je dis rien, je dis rien. Je plaisante. hop. Ah ouais, par contre... Bah, il est parti mourir dans un coin, hein, votre awash express, là. Hein. Par contre, en fait, on va faire comme ça. Hein. 37 les balles en PV, par contre, pour le coup, j'ai rarement vu ça. Hein. Je vous avais dit que je le sentais bien. Ouais, mais bon. Ouais. Ça aurait été mieux, 37 en dégâts. C'est ça, mais c'est pas grave. Au pire, du coup, il n'y a plus qu'à en trouver un autre. Vas-y, je lui mets une balle pour le pool, t'es prêt? Attends. T'as posé la... Ah non, t'as non, pas non, posé non, non, la... attends, attends. Mais oui, t'inquiète. Non, mais parce que je réfléchis, en fait. T'es pas trop proche, là, non? Fais gaffe, je vais te la couper ta petite moustache si tu continues. Donc, hop. Comme ça. Ok. Attention, il n'y a peut-être pas la place pour toi ici. Cage. Attends, je peux pas, je mets une cage. Pourquoi tu mets une cage? Olé. Je suis avec une tortue ninja, quoi. Ok, ça... Mais on peut pas travailler tranquille, en fait. C'est ça, le délire. Eh, mais l'animation, t'en as acheté ou pas, déjà, des shurikens? Non, jamais. Eh, l'animation, elle est archi stylée. Tac. Hop. J'allume. Ensuite. Tourette option. Donc, beer. D'ailleurs. What? Pourquoi il apparaît pas dans la liste? Ah, c'est d'être ours. Ours sinistre. On va mettre ours polaire au cas où. Portée moyenne. Exclusion, inclusion. Hop, accepté. Voilà. J'ai jamais essayé. Donc s'il faut, ça va être le big flop. Il est où? Il est là. Est-ce que tu es prêt, Skijo? Je suis en place. J'ai mon petit frisbee. C'est lui? Je ouais, c'est prêt. Lui. Bah viens me voir. Pourquoi je suis en train de la cage, moi? Pourquoi je sais pas. Pourquoi t'arrives pas à sortir? Attention, t'es prêt? C'est pas le tiche. J'allume. Ça tire pas. Je pense qu'il est trop près. Je pense aussi. Attends, si tu veux, je le recule. Viens, nounours. Ça tire pas. Eh bien, ah, il s'en fout. Ah voilà. Ça y est, c'est parti. Ah, enfin, voilà. Mais ça met que dalle en torpeur. Non, tu veux que je mette quelques tranques? C'est pourri. Mais ça lui met du 100%. Ça touche plus là. Si. Mais mec, c'est des shocking darts, hein. Ah ouais? Tiens, je mets une cible. Hop là! Il en a pris 1000 d'un coup. Bon, je confirme, hein. Si vous voulez faire des économies... C'est nul! Je suis sûr qu'au frisbee, on l'aurait déjà couché. C'est... Tu veux que j'essaye avec mon frisbee? C'est de la merde. Et du coup, c'est bon, quoi, après, c'est une femelle. C'est une femelle. Faut voir aussi que... les fusils qu'on utilise. Est-ce que ça s'arrête de tirer quand il est ouais, j'ai l'impression. J'espère. Les fusils qu'on utilise, il y a des pourcentages de dégâts dessus en plus. Donc forcément plus de torpeur. Mais bon, quand même, je suis un peu déçu. Un gros, hein. Ouais. Mais ouais, 100% et toi, avec... il est pas gros le tien. Tu veux qu'on en parle? Mais bon, sans de torpeur avec des tranquillisants d'art. C'est vraiment merci. Dégueulasse, hein. Ouais. On est d'accord. Niveau économie, hein. On est d'accord. Non, parce que dans l'intro de ma vidéo, je l'ai vendu en « Vous allez voir, c'est révolutionnaire, c'est magnifique. » Eh, hey, je oui. M'excuse YouTube. Il est honte, il a mis les lunettes. Il est honte. Il est mauvais. Il veut pas rester là. Il y a l'être, tout. Ça doit être pété.
On y va? Tout est inimaginable. Oh. Aïe, mais arrête! Je t'ai pas touché, c'est pas possible. J'ai pas eu le point jaune. Et regarde. Alors, j'ai le replay, le dart, il est là. Où? Là, là, tanké, ici. Ceci dit, c'était une D5. Donc, ça va. Bah, bravo. Tiens, un cadeau. Oh, vas-y. Tu fais F, hein. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Pourquoi tu me files le polymère? Ah oui, parce que tu veux le... Parce que je... Allez, c'est parti. Je sais pas. On veut du proc. We want proc. Attention. Proc. Boum. Oh. Voyons voir. Et 44. 44 level en PV, c'est pas mal. Mais sur combien au départ? De quoi? Ah oui, en PV, oui. Sur 37? C'est pas ouf. On s'est fait... sans dégâts. On a été un peu floué sur la marchandise quand même. 26 en dégâts. Parce qu'il a pris genre 16 levels en bouffe. Parce qu'il me semble qu'il était à 4. Il avait combien en oxy? Là, il a 33 en oxy. Hein. Je sais pas, mais il a bien pris. Pro, hein. 36 en stam, ceci dit, par contre. C'est pas dégueu. On va pas cracher dans la soupe. Mal. 44 en PV, c'est pas mal. Après, on veut des dégâts. 36 en dégâts. Bon, on se fait le 130, je dirais moins. Dégueulasse. Hein. Parce que du coup, 22 en poids. 22 en poids, 22 en dégâts, il y a moyen que ça proc mieux, hein. 26 en dégâts. Et j'ai dit quoi? 22. Alors, il est où? Attends, ça se trouve, il y a quelqu'un qui est passé, il l'a tamé. Ah non, hein. Non, il est sous, il est passé, et tout. Il est là, 130. Pourquoi il n'y a rien? Ah si, attends, puisque 22. J'ai pas mis la jumelle. Eh, mais attends, 265. Ah bah non, c'est Skydio. Qu'est-ce que merci pour on met un truc là là. Ouais, merci Kamikaze, hein, c'est cool. Mets-le attends. Là là, je le mets là, ici. Où? Là. Bah où? Bah là. On peut pas. Une structure impossible. Pourquoi? Parce que c'est une grotte à tous les coups. Bah génial. Bah non, mais juste à la sortie, il y a de la place. Mais tu peux pas. Juste à la sortie en fait. Je suis sur l'affaire. Donc. Je te vois. Au cas où, hein. En fait, alors déjà en réalité, on peut améliorer la cage. Puisque 2 de hauteur, c'est pas nécessaire. Attention à flûte. J'ai pas pensé à ça. C'est sérieux? C'est ça qui me gêne? Je suis désolé, hein. Je suis admin du serveur. C'est ça qui me gêne. Non. Très bien. Alors là, je suis très heureux. Il faut que je déplace ma cage. Clairement, l'ours, à moins de lui faire la courte échelle, il montera pas. Hein. Où est mon pistolet? Hop là. Où sont les murs? Les murs sont là. Non, parce que... Il faut voir un truc. Ce qui joue. Qui est? Mais... On va refaire... La strate avec... La tourelle? La tourelle, parce que ça a tellement bien marché tout à l'heure... que je vois pas pourquoi on le ferait pas. Je pensais que ça marcherait en faisant comme ça, mais non. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, d'accord. Que je fasse demi-tour. De quoi? Qu'elle a super bien marché, la strat? Bah ouais, attends, la tourelle, attends, je veux dire. On va pas se passer quand même d'un truc qui instant sleep quand même. C'était... C'était tellement efficace que je pense... Qu'on serait bête de s'en passer, on est d'accord. Vas-y. Vas-y, tu veux que je l'appelle? Vas-y. C'est pas le petit, alors j'ai intérêt de courir. Attends, siffle passif, pour être sûr. Vas-y. T'as un gun sur toi? Non, je m'en charge. Tu veux que je bute? Lui, il va me faire chier. Oh, ça court. Je peux te cover, c'est lui?
Bonjour. Bah lui c'est le vin. Oh bien joué, bien joué ça. Je vais crever si j'y vais à Yep. Pourquoi t'es basse? Bah parce que le miel c'est comme étoile d'araignée. Ah. Tu vois ce que je veux dire. Donc, attends, je vais l'aggro avec la weave. Tu vois un peu? Parce que sinon je suis mort à 100%. Déjà que je crois qu'il a cassé ma paire de lunettes l'autre. En même temps. En même temps c'est logique. Oui. Tu marches dans du miel quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine logique. C'est lui là? Pourquoi tu lui mets des vraies balles toi? Je sais pas tu moi. Mets des balles de pompe là. Ouais je le pompe. Eh bien là. Attention. Et alors là on fait comment là? Alors on fait comme ça. Oh là là, quel joueur, mais quel joueur. Quel talent, okay. J'aurais dit. Bon alors attention, j'allume la tourelle. Et là ça va. Faites faire gaffe, mal. Ne vous mettez pas au milieu, vous pourriez vous faire endormir. Ah bah oui, ça marche beaucoup mieux là. Comment ça, ça marche beaucoup mieux? Ah oui, j'avoue que c'est vraiment efficace hein. Attends, attends. Ouais. Non, mais éteindre. Regarde, regarde un peu. Ça monte vite. Eh ouais, regarde. Tu lui en mets là? Non, non, là oui. Attends, attends, arrête, 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 arrête. Eh ouais, en vrai, c'est pas si nul que ça. Hein. Ça monte piano, mais piano, mais piano, quoi. Oula, ne te retourne pas. Ça ne te retourne temps, surtout pas, oui. Ouais, alors. Ouais, c'est, ça, ça fait peur, ça, quand même. Je crois que c'est une salle au plégant de massacre qui va me faire le caca dans le rein. Eh, ça monte bien, quand même. Regarde, regarde. Ah, c'est pas si nul que ça. Moi, je dis... Ce n'est moi, pas... Je... Il dort, là moi, je... Oui, il dort. Bon, ce qui est bien, c'est que le miel est juste bugué à côté. Merci. Salut, je m'écarte. Tu me couvres pas? Ah bah, génial. J'avais un pote, mais ça, c'était avant. Faut croire que... Waouh. Quoi? J'ai mis un coup de tronçonneuse. Au secours! Ah, mais elle t'attaque même pas. C'est moi, la moustache, ça. Moi, je me fais des pop et lui, il est tranquille, quoi. Non, non, elles arrivent, elles arrivent. Allez, salut, hein, je me tire avec la tronçonneuse. T'inquiète, hein, chez moi, c'est... C'est une cabane de bûcheron, hein. Y a des tronçonneuses partout. Je crois que c'est le truc que j'ai craft le plus depuis le début du jeu. Hein. Ah. Tiens. Mais celle-ci, je l'aime bien. Elle a l'air c'est sympa. La plus grosse elle... que j'ai faite. Elle oui. est là. Elle a les dents bien aiguisées. Oh là. D'ailleurs, faut... ah, la proc a combien celle-ci? Un soleil rouge se lève. La proc a 32, je peux faire mieux. Beaucoup de Pokémon ont dû mourir ce soir. Mais prends une grenouille. Oui, mais la grenouille, elle fait pas de miel. Pour faire de la... Oh là là. Oula! Eh! Hey, ouais. On se calme! C'est quoi, j'ai failli te mettre un coup de pompe. Bon alors! S'il te plaît. J'ai pas la truc affichée, mais attention, je la mets. Putain. Et nous sommes donc à 31. Bon, c'est pas mal! Eh! Hey. Et l'autre, il a combien? L'autre, il a proc à 32, non? Excuse-moi du peu, mais je crois que c'est ça. Hein. Merde. Combien toi? Non, 26, regarde. Ah, ok, ok. C'est okay. Bien. Non, il y a une petite repro à faire. Là, après, on fait l'alpha. Mm-hmm. On rentre et je fais un bébé. Et voilà. Ah. Ok, ok. J'ai plus de cryo. T'as une cryo? Ouais. Super. D'ailleurs, il va falloir que j'aille en refabriquer. Ouais, s'il te plaît. Je vais... Bazouiwi Farm. Ouais. Je vais chercher le gigano. Et bah au pire tu mets ton giga à côté du mien. Et aussi là-bas. Bon bah d'accord, tu veux pas non plus que je t'envoie oui, en fait, non, mais en fait non, je m'en fous. Je plaisante. Je peux hein. Il a un tracker.
Ah ouais, c'est vrai. Mais où est mon giga? Ah bah d'accord, il est petit bichon, il est là-haut. Mais attends, hein, parce qu'il faut le retrouver. Non mais c'est bon, on va le trouver. Enfin, Skijo. On va le trouver. Mais oui, on va le trouver. Bah bien sûr. Mais oui. Alors, ah c'est toi qui as la cryo de l'ours, non? Il se fout de moi. T'es, en fait, t'écoutes vraiment pas quand je te cause. Je lui dis, je l'ai mis dans ta weave. Et on dit, en fait, je refais la scène. Hein. Du coup, je t'ai mis la cryo de l'ours dans ta weave pour pas la paumer. Ouais, ouais, merci, c'est cool. Hein. Ok, 5 minutes après. Ah, mais c'est toi qui as la cryo de l'ours. Bah, dis donc. Oui, c'est moi qui l'ai. Non, mais je me sens écouté. Mais bien merci. Sûr que t'es écouté, mais juste 50% du temps, quoi, c'est tout. C'est tout, écoute. Bon. Ah, il y a un Tilacoléo là. Ah. Ah, 25. 25. Alors, autre option, permettre l'accouplement. Allez, go. Ah, mais c'est vrai qu'il y a la gestation. Aïe, ah oui. Aïe, 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 on n'est pas rendu. Ah, parce que en plus, monsieur, ça s'attendait à voir un œuf d'ours. Mais non. Mais je m'attendais pas à voir un œuf d'ours, quand même. Je suis pas encore à ce niveau-là. Je vois bien en train d'attendre que l'ours... Mac, il est où l'œuf? Mais tu ponds. Tu vas pondre, bordel. Bon, non. On avait réussi à faire croire que les castors pondaient des œufs. Hein. Ah oui, c'est pas mal. Oui, tout est faisable. Hein. Je vais t'effler le mien. Il est... Ah. 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 Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de sel. Si, si. Non, c'est parce que je pensais qu'on allait tous être l'un sur l'autre. Voilà. Alors. Attends, je vais buter les mégatériums. Muy bien. On remerciera Patrick hein, pour sa repro de giga. C'est Patrick. Patrick. Ouais, t'es vert jaune. Pas ouf, hein. Moi, si j'étais toi, je m'en vanterais pas. Tu l'as mis monter quoi en stats quoi. Full dégâts. Full PV, moi. Ah, sur le giga, non. Full dégâts. Ah, il y en a qui les remontent à Stam, des fois. Bah, j'ai essayé la Stam, il a pris, je sais plus, 20. Mais j'ai jamais dit, ok Google, pourquoi tu t'allumes, toi? Secours. Tu sais, hein, on a le Alexa qu'on mérite. Hein. Ah, t'es quoi, toi? T'es une femelle et moi, je suis quoi? Je suis un mâle. C'est bon signe, déjà. Ah, c'est bien, ça. Allez, c'est pas le pire. Attends, je pousse un cri avant d'attaquer. T'es prêt? Ouais. Allez. Eh bonjour. Ouais, c'est bon. Oh là là là. Oh là 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 là. Chaque fois, t'as une chance, Larry. Bon. Bah voilà. C'était le Rex. Moi j'ai des trucs dans mon sac. Donc j'ai une pioche et une hache. Et moi j'ai 280 viande. Ouais. On va les cuire. Et 22 points à lui mettre en attaque. Parfait. Voilà. Alright. Mon petit chibi qui a pris des petits levels. Bah oui. C'est trop facile les alphas. Ah vas-y, pose deux fondations, comme ça je pose un grid et on peut commencer à les cuire. Alors, il vient, c'est sur la wave. Mais non, c'est pas vrai, c'est une blague. Ah mais moi je rigole pas. Hein. On va pas les cuire ici, hein, c'est pas assez. Re tout le monde, bon. Donc, cette coupe de cheveux quoi. On a vu, dans cet épisode, mission accomplie déjà. On a vu que, alors je voulais... Ce que je voulais vous présenter au début, la tourelle automatique qui tire des darts, c'est rigolo, c'est compris dans le S+, c'est rigolo, c'est bien. À mon avis, surtout si vous êtes seul, ou éventuellement si vous pouvez en poser plusieurs, et si vous avez des shocking darts à dépenser. Mais, bon,
en termes d'efficacité, je sais pas, je suis pas convaincu que ce soit aussi intéressant que de tirer vous-même avec votre fusil, etc. Après, vous pouvez peut-être faire des combos, effectivement, comme a dit Skyjo, avec le mode qui vous permet de faire des BP et de les améliorer. Vous construisez la tourelle, vous la récupérez, vous la mettez dans l'établi, vous en faites un blueprint, ce blueprint vous l'améliorez, peut-être que comme ça elle fera des meilleurs dégâts, je sais pas, à voir. Bon, mais ça c'est autre chose, nous de toute façon on n'a pas ce mode là sur le serveur. Sachez que c'est compris dans S+, c'est pas dans Arc Vanilla, ok? Voilà. Du coup, timing d'ours, c'est bon, c'est fait. Je suis assez content parce que finalement, on aura trouvé des stats qui sont correctes, surtout au niveau des PV, 44. C'est plutôt cool. Après 31 en dégâts, c'est bien aussi, mais bon, voilà. Je vais lancer du coup une repro, une lignée de repro. Je vous ferai peut-être une explication sur la reproduction avec les ours. Ce sera peut-être la bonne occasion à voir. En tout cas, là, pour le moment, ce qu'il va falloir faire, c'est, dans un premier temps, récupérer donc les stats qu'on veut de chaque bête, en sachant qu'on ne veut pas le level max forcément à chaque fois. Par exemple, la stat de food, donc de nourriture, la stat d'oxygène, la stat de vitesse, parce que la vitesse, regardez. Ah bon, alors là, mauvais exemple, ils ont tous les deux 24 en vitesse. Mais la vitesse n'est pas comptabilisée, donc si le dino a des points qui sont investis en vitesse, ils ne sont pas utiles. C'est des points qui sont perdus. Donc on va essayer de récupérer les meilleures stats, qu'elles soient grandes ou petites, dans les caractéristiques que l'on veut. Voilà. Une fois qu'on a un bébé parfait, on fait un couple. Une fois qu'on a deux bébés mâles-femelles parfaits, donc quand je dis parfait, c'est avec les bonnes stats, ensuite on lance les repros. De là, on fait deux lignées. Une lignée par statistique qu'on va vouloir muter. Et à partir de là, on fait des bébés jusqu'à ce que ça mute, etc., etc., etc. Ça, de toute façon... Ah, Skyjo s'est fait muter. Ça, de toute façon, je vous le présenterai le moment venu quand il s'agira de faire de la repro. Sachez que si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la repro, vous checkez dans la description de la vidéo, il y a le lien du Discord. Vous venez sur Discord, il y a dans le channel Bienvenue, il faut que vous cliquiez, lisez bien les règles. Il y a un endroit où vous devez cliquer pour voir tous les channels s'afficher, les salons. Voilà, je vous le dis parce qu'il y en a certains qui ont posé la question dans les commentaires. Et à partir de là, vous posez la question sur le Discord et je vous enverrai un PDF, un document qui est hyper intéressant. Si j'y pense, je vous mettrai peut-être le lien dans la description de la vidéo aussi. Bref, j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut, bisous, ciao, bye.